Salut Toki, échappé Toki avant ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite et presque la fin de la présentation des livres sur le cinéma. Donc là ça va être par thématique par année. Donc vous allez voir c'est à part un tout du Tasken, où en gros c'est années 60, 70, 80, 90, 2000. Donc voilà. Donc là le premier c'est pas un livre de chez Tasken, c'est de chez Steven G. Schneider, édition Barons. Voilà, c'est les 1001 films que vous devez voir avant de mourir. Livres qui sont vendus initialement une quarantaine d'euros. Donc celui-ci je crois qu'il est de 2014-2015. Et chaque année ils ressortent en édition un petit peu modifiée avec forcément s'il y a des films de l'année en cours à ajouter, tout ça. Et donc bah, c'est des fiches sur, comme son nom l'indique, 1001 films qui conseillent à voir avant de mourir. Donc ça va des années 20, 30 aux années 2000, 2010, quoi. Donc là je vois par exemple The Mask of the Red Death, donc qui est un film de Roger Corman avec notamment Christopher Lee, Vincent Price, enfin Vincent Price surtout, Christopher Lee je suis pas sûr. Là on a quoi? On a Blow Up qui est de Michelangelo Antonioni, voilà. Là on a The Good, The Bad and The Ugly, donc le bon, la brute et le truand. Voilà, on a quoi? Once Upon a Time in West, donc il était une fois dans l'Ouest. Là, on est sur une thématique un peu western. Là, on a Gimme Shelter, le film sur les Rolling Stones. Voilà, French Connection. Là, on a Barry Lyndon, pardon, de Stanley Kubrick. Barry Lyndon. Là, on a Fitzcarraldo, 1982, film de Werner Herzog, évidemment. Spinal Tap. Le vrai faux documentaire sur le vrai faux groupe de métal qui est vraiment excellent, vraiment très très drôle, de Rob Reiner. Qu'est-ce qu'on a d'autre quand il rencontre Sally? Batman de Tim Burton. Donc là on est dans les années presque début 90, là on est en 99, là on est en 2002, là on est en 2007 avec No Country for Old Men qui est vraiment génial, que j'avais vu au cinéma à l'époque. 2009, 2010. Ah ça va peut-être que je suis que 2010 en fait. 2010, avec True Grit pour le dernier. Voilà, donc il y a un très bon bouquin que là encore j'ai eu la chance de récupérer sur Vinted. Ils sont vraiment pas donnés ces livres-là. Là, je l'ai eu pour 5-6 euros. Donc très content de le posséder. Ensuite, en premier, donc de chez Tasken, le cinéma, les meilleurs films des années 60. Donc on va avoir des films tels que Diamant sur Canapé, West Side Story, Le Mépris, Cléopâtre, Les Oiseaux, Le Lauréat, Bonnie and Clyde, Blow Up. Docteur Jivago, My Fair Lady, Barbarella, Bullitt, Il était une fois dans l'Ouest, Easy Rider, Little Big Man, ou encore par exemple Les Aristochats. Voilà, donc c'est des bouquins que j'aime vraiment beaucoup, très bien illustrés en fonction du film qui est présenté, et très bien détaillés et analysés par rapport au film justement en question. Donc là on a par exemple Un crime dans la tête, film de John Frankenheimer. Voilà. C'est beaucoup d'illustrations en noir et blanc parce que la couleur n'a pas été utilisée très souvent et très régulièrement dans les années 60. Cléopâtre, voilà, cultissime, de Joseph L. Mankiewicz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est Les Oiseaux de Hitchcock. Là, c'est quoi entre l'alcôve et la potence? Film des Beatles, Les Quatre Garçons dans le vent. Là, on a quoi? On a de Black Edwards, La Panthère Rose. Voilà, avec. C'est Peter Sellers celui-là? Non, je crois pas. Ouais, Peter Sellers, c'est ça. David Niven aussi. On a quoi? Zorba le Grec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer d'en prendre un dernier. Django, voilà, de Sergio Corbucci. Django. Et non, je vais en prendre un dernier. En dernier, ce sera Le Bal des Vampires de Roman et avec Roman Polanski. Donc voilà un premier très bon bouquin de chez Tasken. Je les aime vraiment beaucoup, ceux-là. Ensuite, les meilleurs films des années 70, même principe, ça va parler des Chiens de paille, d'Orange Mécanique, de French Connection, du Parrain, de Frenzy, de Soleil Vert, de L'Exorciste, de La Guerre des Étoiles, de Rocky, de Taxi Driver, de Chinatown, de Zombie, de Alien le 8e Passager, de Raging Bull, de Pulsion, entre autres, ça va revenir sur énormément de films. Donc par année, encore une fois, de la même manière, donc très très cool également. Donc par exemple, je prends une page au hasard, Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La nuit américaine de François Truffaut. Voilà. Chinatown de Roman Polanski. Avec Jack Nicholson. French Connection 1 et 2. Le premier de William Friedkin, le deuxième de John Frankenheimer.
Annie Hall de et avec Woody Allen. Et je vais en prendre un ou deux derniers. Superman, Christopher Reeve et Zombie de George Romero, par exemple. Donc ça, c'était pour les années 70. Encore chez Tascan, le format est un poil différent. La couverture fait vraiment vintage et j'aime beaucoup. Donc c'est le cinéma, les meilleurs films des années 80. Voilà. Même principe. On va revenir sur énormément de films année par année. Est-ce qu'il y a la liste des films ? Non, on va prendre au hasard, on va voir ça ensemble. Donc Elephant Man, forcément, de David Lynch. Voilà. Ensuite, Le Dernier Métro, donc François Truffaut. Voilà. Je crois que c'est avec Depardieu. Non, je crois pas qu'il y ait Depardieu là-dedans. Catherine Deneuve. Si, Gérard Depardieu. Les Blues Brothers, de du génialissime John Landis. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres ? Bien évidemment. ET, téléphone maison, E.T., chef-d'œuvre, j'aime beaucoup. Gandhi, de Richard Attenborough. Voilà, je crois que c'est Ben Kingsley qui joue le rôle de Gandhi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va reprendre un ou deux. Blue Velvet, de David Lynch, encore une fois. Avec Kyle MacLachlan et je ne sais plus, c'est Isabella Rossellini. Je me demande s'il y a Laura Dern qui joue dedans dans celui-ci, j'ai un doute. Ouais, Laura Dern. Champion. Et du coup, encore un, allez. Hop. Platoon, magnifique, de Oliver Stone, pour terminer en beauté. Donc voilà, ça c'est pour les années 80. Ensuite, les années 90. Voilà, donc pareil, excellent. Hein. Je sais qu'au verso c'est Leaving Las Vegas et là devant c'est peut-être Le Silence des Agneaux. On dirait Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux. J'ai un chill out quand même. On va commencer par exemple avec Danse avec les loups 2 et avec Kevin Costner, petit chef-d'œuvre. On a Épouse et concubine, connais pas, de Zhang Yimou. Vous voyez, c'est vraiment diversifié. Hein. Donc là, on a Philadelphia, par exemple, de Jonathan Demme avec Tom Hanks, notamment, et la musique de Bruce Springsteen. On a Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, hein, le seul et l'unique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Casino, de Martin Scorsese, génial, mon sûrement Scorsese préféré. Shall We Dance, de Miyazaki Suo. Voilà. Et on va en prendre encore un ou deux. Trainspotting de Danny Boyle, un petit bijou là encore. Men in Black de Barry Sonnenfeld. Vous voyez, encore une fois, c'est très varié aussi. Hein. Et par exemple, La Ligne Rouge de Terrence Malick. Donc ça, c'était pour les années 90, toujours chez Tascan, donc des super super bouquins, je le répéterai jamais assez. Et le dernier, et non des moindres, les années 2000. Je lâche par terre, ça fait un trou. Donc avec Avatar en cover. Donc on va parler notamment de Mulholland Drive, Le Seigneur des Anneaux, Le Cercle, Goodbye Lenin, 8 Mile, Elephant, Dogville, Big Fish, Sideways, Hotel Rwanda, I'm Not There, Juno, Zodiac, The Queen, Babel, Le Vent Se Lève, Borat, Munich, La Vie des Autres, Sin City, Sin Nombre, The Wrestler, La Bande Abadère, Le Ruban Blanc, Single Man, Carlos, Beautiful Fighter, Trop Grit entre autres. Il est très lourd celui-ci, il est très gros et c'est le même principe, hein, donc ça va revenir sur les films et ça va vous les présenter émaillés de plein de photos. Donc là on a L'Âge de Glace, hein, premier qui est de 2001. On a In This World de Michael Winterbottom, je pense que c'est un documentaire ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça c'est Dogville, ah non là on a Elephant, donc Elephant de Gus Van Sant. Et les pages qui suivent c'est Dogville de Lars von Trier. Voilà. Avec, je crois que c'est Nicole Kidman, hein. Ouais. Nicole Kidman, Noël Bacall, Paul Bettany, Stellan Skarsgård, qu'on retrouvera dans beaucoup de ses films, Stellan Skarsgård. Le Monde de Nemo, Le Monde de Nemo, Le Tout Mignon Nemo, Big Fish de Mr. Tim Burton. Allez, je vais en prendre encore 2-3 et on conclura là-dessus. Million Dollar Baby, chef-d'œuvre de Clint Eastwood, que j'avais la chance de découvrir au cinéma. L'avant-dernier, ce sera Caché de Michael Haneke, mais avec un casting français à Daniel Auteuil, Nigerardo, Juliette Binoche. Voilà.
Et je vous ai dit, on va prendre un dernier. Et ben, on va terminer sur du très lourd. On va terminer sur un des films que je préfère, Le Labyrinthe de Pan. Et vous voyez, à chaque fois, c'est pas juste 2 pages. Hein. C'est qu'on en a. On en a vraiment plusieurs consacrés au film. C'est bien détaillé, c'est bien présenté. C'est vraiment des super bouquins, c'est vraiment des bibles. Donc ça se termine là pour cette vidéo. Il en restera une et on aura terminé les bouquins de cinéma et on aura quasiment terminé les vidéos collègues d'ailleurs. Hein, je crois, on aura sûrement terminé même. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour la suite. Joyeux nananive, les toqués. Ciao, fucking ciao.